Bonjour Monsieur le Soir, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au mieux, j'aurais vu peut-être. Ouais, normalement, je l'aurais vu. Je ne sais pas, non, je pense pas, je sais pas. Enfin, j'ai été malade, maintenant je vais beaucoup mieux. Mais c'est pas ça que je voulais venir. J'en ai là pour faire mes achats du mois de janvier. J'ai un peu trop craqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 livres. Ça va encore. Mais voilà, j'ai un peu trop craqué, mais j'ai quand même 3, 4, 1, 2, 3, je pense, livres que j'ai acheté à petit prix. Du coup, voilà. Et on va commencer tout de suite avec La Secrétaire Kim, le tome 3. Je l'ai déjà lu, vous pouvez le voir. Du coup, ça me fait un de moins dans ma palle. Voilà. Je vous en dis pas plus, mais on suit toujours La Secrétaire Kim avec son patron dans une histoire assez dingue. Je vous en dis pas plus. Découvrez cette histoire c'est les éditions Kaboom. Je vous dis pas les auteurs parce que là il y en a deux. Il y a un, c'est Kimi. C'est un peu bizarre, voilà. Chez Kaboom, j'ai bien aimé cette histoire. N'hésitez pas à vous replonger dedans. Je vais mettre celle-là parce que ça vous l'avez. Allez le voir en point de lecture après. Voilà, après. Le livre à moi, enfin, moitié prix, non, même pas. Je l'ai payé 5 euros. Écomaniaque chez Hugo Roman, dans la collection Nous Romans. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture. J'en avais déjà entendu parler de cette lecture. Du coup, j'ai pas hésité à me le procurer, voilà, à ce prix-là, voilà. Le truc que je sais, c'est partager un bureau, puis partager sa vie. Et il n'y a rien en commun, mais ils vont devoir partager un bureau. C'est tout ce que je sais, voilà. Après, je me suis pris un mini-mini livre, une centaine de pages, d'Akal, je ne sais pas comment ça dit, d'Amélie. C'est Artis, voilà. Il n'y a pas de maison d'édition, c'est un nom édité. Voilà, il me tente bien de me le faire. Je voulais le mettre en février, je l'ai pas mis. Je vais me le mettre en mars. Voilà, je ne sais pas de quoi. J'ai que ça parle de youtubeur. Voilà, un box. Je ne sais pas. On va. Quand je l'aurai lu, je vous tiendrai au courant. Voilà. Après, je me suis procuré celui-ci. Celui-là, il me donnait très envie, mais j'ai attendu qu'il soit en poche. Parce que voilà, je vais les attendre maintenant en poche chez Hugo. J'aime beaucoup plus la façon de les lire en poche qu'en grand format. Et puis, ça prend beaucoup de place qu'en petit format. Je vais faire plusieurs piles avec. Voilà. Du coup, je ne vous lis pas le titre. Voilà, je vous le mets. C'est chez Hugo Poche ici. Nous romans, j'avais entendu beaucoup de retours et du bon retour. Voilà. Ce truc qui fait quand même pas mal de 500 pages. Voilà. Et du coup, je me dis pourquoi pas. Maintenant, il est en poche. Et à la place de 17 euros, il est à 8. Ça vaut la peine, quoi. 8,50 quoi. Voilà. Après, celui que j'ai payé un peu plus cher, mais que j'ai beaucoup entendu parler, c'est Galopé. Tome 1, la sacrifice d'une princesse chez Blacking. C'est mon premier chez Blacking et je suis trop contente. J'aime beaucoup la maison. Enfin, j'aime beaucoup les quatre, enfin les couvertures de chez Blacking. Maintenant, j'ai pas encore lu, du coup, je ne sais pas comment il va se lire. Et j'aime beaucoup aussi, c'est leur présentation de chapitre. Regardez comment c'est mignon. Tout mignon comme ça. Du coup, je sais juste que c'est une princesse qui va se mettre en danger, mais la vie est cruelle et la guerrière change d'homme. Voilà, tout ce que je sais, mais ça me donne trop envie. Et puis j'adore la robe de la personne sur la couverture. Après, ah non, j'en avais acheté 4 à livre à petit prix, je pensais pas. J'ai pris celui-ci, Romy, je sais pas comment ça se dit. De Christina Loren, 5 euros aussi, chez Hugo Roman, dans la collection Nous Romans. Au début, je voulais les attendre en poche. Excusez-moi, je vais prendre un coup. Voilà, mais à ce prix-là, je ne peux pas me permettre
Je les revendrai s'il faut. Mais ils sont même moins chers qu'un poche, du coup voilà. Du coup voilà. Et comme j'avais vu que. Bien sûr, c'est pas celle-là. Allez, où j'ai fait? Voilà. Non, mais ceux-là, je les ai lus à part celui-là. Et ceux-là, je les ai lus. Du coup, je me dis, voilà, je les ai bien aimés. J'aime beaucoup. Enfin, Christina Loren. Je ne sais même pas si c'est de elle aussi, ceux-là. Ah ouais. Pour moi, je n'avais jamais lu de Christina Loren, vous voyez. Alors, le. Troisième livre au prix de 5 euros. Voilà. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 que je vais montrer le dernier après. Ben, j'en ai pour 5 euros. Ça me fait 4, 20 euros. Et ils sont à 17 euros. Voilà. Ça vaut la peine, quoi. Je me suis pris celui-ci aussi. J'en avais entendu beaucoup parler. Amerturme, le Grand Nord de Sabrina Boyle chez Hugo. La collection Nous Romans. Lui non plus, j'ai pas lu la quatrième de couverture. Tout ce que je sais, c'est ce goût amer se déchire à la saveur sucrée de l'espoir. Voilà la petite phrase qui est d'accroche ici. C'est tout ce que j'ai lu. Parce que là, il n'y a pas de phrase qui d'accroche. Du coup, voilà. Mais c'est vrai que les couvertures, enfin, la couverture et la quatrième de couverture, même le dos, ne vaut pas la, va pas avec. Hein. Voilà, après celui-là, il est encore plus mieux parce qu'il est tout à fait emballé. Il est sous blister, vous voyez, il brille 5 euros. Lui, je crois que j'avais une hésitation. Je sais plus si je l'ai entendu ou pas, mais j'ai craqué. Voilà, du coup, 5 euros. Nous Roman, chez Hugo Roman, enfin chez Hugo Roman dans la collection Nous Roman. Et c'est de Eric Dwyck. La princesse de papier, le top 1, l'hérésité, voilà, il est tout emballé, je suis très contente, pour ce prix, il est neuf, il n'y a rien, je ne l'ai même pas encore déballé, voilà, tout ce que je sais, c'est que une nouvelle victoire, je suppose, pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je n'ai pas lu la quatrième de couverture. Il était à 17 euros, 5 euros. Ça vaut le coup, quoi. Non? Dites-moi, franchement. Après, il y avait celui-là aussi. J'ai lu tous les calendriers Girl que j'ai adoré. Mais adoré, c'était mon phare de... Depuis quelle année? 18? J'ai commencé à lire avec ça, en fait. Voilà. Et du coup, elle a refait, eux aussi, je les ai entendus en poche, même si ça a été très, très, très dur de les tenir. J'ai pris Wish, Suda, Caillou, je ne sais pas, le tome 1 de Audra Carlan chez Hugo Poche, ici, dans la collection Nous Romans. Je n'avais pas vu qu'il y avait le deuxième qui était sorti en même temps, moi je me serais procuré les deux en même temps. Mais je le tome 1, je me procurais le tome 2 quand je serais occupée à lire. Voilà. Mais il va pas faire long feu parce que j'ai trop envie de le mettre dans une de mes pales que vous allez voir le mois de février. Mais il sera pas dans le mois de février. Et alors, encore une nouvelle nouveauté dans ma pale dans ma bibliothèque. Je n'avais pas encore non plus de ce roman. C'est Croque à la Lune, tome 1, chez Plume du Web. C'est aussi une nouvelle maison d'édition que j'avais pas dans ma bibliothèque. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tester. Et en plus, j'aime trop la couverture, le loup. J'aime bien les loups, j'adore la lune, voilà. De Linda Calwert. Voilà, j'espère que je prononce bien. Je ne sais pas non plus, celui-là j'avais vraiment envie de me plonger vraiment dedans. Celui-là aussi me donne très 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 envie. Enfin, pour le moment j'ai beaucoup de livres qui me donnent très envie de lire. Voilà, mais je ne sais pas tout lire d'un coup, mais c'est pas grave. Ça bien, c'est quand ta bibliothèque, enfin ta pile de livres te donne toujours autant envie de lire. Voilà, et du coup j'ai envie de me plonger dedans. Il a l'air facile à lire, bien souple.
Du coup, voilà. J'aime beaucoup ces deux nouvelles maisons d'édition que je apprends à connaître. Voilà. Sauf que ceux-là, ils sont quand même 18 € et celui-là, enfin celui-là, c'est pas encore si cher. 17,90. Voilà. Voilà pour mes petits achats. Je vous ai dit, hein, il n'y a pas grand-chose quand même. J'attends toujours ma box. J'espère, croisons les doigts, que j'arrive à l'avoir aujourd'hui. Mais ça m'étonnerait. Voilà, je l'aurai peut-être plus demain ou la semaine prochaine. Je pense que je l'aurai plus de la semaine prochaine parce qu'ils m'ont envoyé début de semaine, je pense. Je l'aurai plus la semaine prochaine. Bon, sur ce, voilà. Dites-moi quel livre vous tente. Voilà, dites-moi en commentaire. Sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Et je vais continuer à filmer des vidéos pour la semaine prochaine. Je vous fais des bisous.